Shalom Aleichem, on est dans Siman, Tafresh Ein Bet Zman, la Katner Hanouka, le temps d'allumer les bougies de Hanouka. Batek Neset, Jemit Kaimim, Baem, Echol Yom, Shiure Torah, Emakal, Amit Palelim, Ben Filat, Minchal, Arbit, Ole Aha, Arbit, On Nire El Magil, Shiur, Im Nire El Magil, Shiur, Shakal, Yazor, Le Shiur, Le Aha, Le Katnerot Hanouka, Yesh Laadif, קיום מצוות הדלקה בזמנה, דהיינו שהציבור ילך לביתו להדליק עם צאת הכוכבים. כן? זה נוז'ור, יבוקו שוס כזמור שונזה. גם כלסונו להלכה, איפה אלימי, עד שתכלה רגל מן השוק. יוסקה לדרניה, דה מחשר, כי מחשר לא לשוק. זה נוז'ור, ברוך השם, לדרניה דה מחשר ספרת במיינות דה מתן. דה זאת דה מתן, מהם אנקור פלוס. Alors c'est pour cela que la halakha, elle a un peu songé. C'est-à-dire que c'est les khatril a priori, il faut allumer dans la première demi-heure, après la sortie des étoiles. Nous, les séfarades, après la sortie des étoiles, exactement dans le moment de la sortie des étoiles, on allume les bougies, on a une demi-heure. C'est-à-dire ici maintenant, le rabbi va nous dire, okay, si maintenant le mari va venir tard, ou c'est la femme qui va venir tard, la femme, elle va être makpida. Akpida, c'est-à-dire qu'elle est pointueuse. Quoi, tu m'attends pas, mon mari, que j'avais une bougie avec toi. Alors, si maintenant il y a un problème de shalom bayit, comment il faut faire très attention au niveau de shalom bayit, je vous dis entre parenthèses au niveau de shalom bayit. Okay. Comme on l'a dit dans Tomer Deborah, il y a aussi, il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Qui rega, ben abo, chayim, yosun. Maintenant, mais rega, même quelqu'un qui s'écoule, se met en colère, c'est une seconde de colère. C'est une seconde de colère, pas plus, c'est tout. Après, comme un homme, lui, une femme aussi, pareil, de ne pas rester avec la colère. De ne pas rester tout de suite, il faut tout de suite. Il ne faut pas. Alors maintenant, le secret, il est de ne pas arriver à cela. Quand un homme, lui, il sait que quand on lui marche sur le pied, eh ben, il crie, eh ben, il faut. Qu'on ne lui marche pas sur le pied. Il faut qu'il fasse attention qu'on ne lui marche pas sur le pied. Des fois, l'autre qui est en face de toi, il ne fait pas attention à cela. Toi, tu dois faire attention qu'on ne te marche pas d'aller sur le pied. Ok ? Chacham et d'avoir au chaud. Les Ardachem, ça c'est le shalom bayit. On verra, c'est des détails qu'un homme, que lui ou une femme, doit prendre soin à cela. Mais la première demi-heure, ça, c'est les chatril, a priori. Alors maintenant, dans la Betaknesset, que maintenant, il y a un shiur de Torah tous les jours, dans la Betaknesset. Et entre Mincha et Arbit, et même des fois après Arbit, des fois, ils font Mincha et Arbit, parce que le Rav, par exemple, il voit que les gens, ils ne font même pas Arbit, ça veut dire qu'ils font Mincha, et Arbit, ils ne sont plus là. Alors, ils ne font même pas Arbit. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav, il fait Mincha et Arbit. Au moins, ceux-là qui veulent rester, ils restent. Ceux qui veulent partir, ils partent. Au moins, ils ont gagné qu'ils vont faire Tfilat Arbit. Maintenant, ils veulent faire maintenant un shiur après Arbit. Maintenant, Baruch Hashem, la majorité reste Arbit. Maintenant, quand il fait Arbit, et les gens, quand après Arbit, quand maintenant ils vont faire la shiur, les gens, s'ils vont rentrer chez eux allumés, dans le moment, dans la première demi-heure, c'est sûr qu'ils vont perdre Shiur Torah. Et il y a beaucoup de gens qui, c'est ça qu'ils ont pendant toute l'année. Alors maintenant, le Rav, lui, il faut qu'il fasse attention. Et il se dit dans la tête, comme ça, que c'est sûr, il faut faire l'allumage dans le temps. Si tu sais clair, toi, le Rav, si tu sais clair qu'ils vont tous revenir au shiur. Mais s'il y en a qui ne vont pas revenir au shiur, ils vont rester avec les enfants, et ils vont chanter Maosu Yeshuati, ils vont jouer des toupies, ils vont faire la fête, alors c'est sûr qu'ils vont rater le shiur de Torah. Talmud Torah Keneged Kulam, le Talmud de Torah, c'est équivalent à tout la Torah, tout le mitzvot. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le shiur. Et après. Okay.
rentrer chez eux à la maison, et même qu'ils ont allumé après la demi-heure. Mais si maintenant, le rab, lui, c'est clair qu'ils vont tous revenir, okay, allumez, allez chez vous, parce que par exemple, c'est une communauté, okay, et le shamash, il va peut-être les appeler un par un, de revenir au chiot. Alors c'est bien, c'est conseillé d'allumer dans le... La moitié va revenir, et puis quoi le... Ça, c'est la Torah, la majorité. Et même s'il y en a, si c'est que quelques-uns qui ne vont pas revenir, pendant toute la semaine, 8 jours, ils ne vont pas revenir au shiur. Et maintenant, un qui n'a pas, qui a perdu la Torah, c'est énorme pour lui. C'est de quoi vivre. C'est le malachon que pour Tikatramez, non? Non, c'est pas comme Tikatramez. C'est le malachon que dans Tikatramez, c'est autre chose. Là-bas, de peur qu'il va oublier. Ici, c'est pas de peur qu'il va oublier. Dans Tikatramez, de peur qu'il va oublier. Alors maintenant, il n'y a aucun problème que si tu fais un shiur après Arbit, et le shamash ou le rab, lui, il dit à tout le monde, nous, quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas de faire bdikat havet. Ça, c'est un bdikat. Ici, c'est un autre. C'est pas le inyan de oublier. Ici, c'est le soumenissa. On doit publier le nes. Pour publier le nes, il faut qu'il y ait des gens dehors. Si maintenant, il n'y a plus personne, ils sont tous rentrés chez eux. Alors, comment tu vas publier le nes? Ça, c'était parce qu'on allumait la bougie dehors. Mais puisque maintenant, de nos jours, on allume dedans, alors quel pire soumenissa qu'il y a? Il n'y a pas pire soumenissa. Non. La majorité, ils allument dedans. La famille, pire soumenissa de la famille. Ça aide. Alors, tu peux pire soumenissa de la famille, c'est quand c'est... Alors, quelle est la mitzvah? La mitzvah, c'est... On doit publier le nes. Qui? Nous, à ceux-là qui sont de dehors. Mais puisque maintenant, les gens, okay, ils sont chez eux à la maison, mais maintenant, toi, quand tu vas allumer les bougies, c'est pour ta famille à toi. Quand tu vas rentrer maintenant, une heure, deux heures, trois heures après, c'est quoi? Tu vas publier le NES pour ta famille. Alors là, il n'y a aucun problème. Pas besoin d'attendre la demi-heure. Ça veut dire que même de nos jours, le Rambam va être d'accord que Achirle Regeminashuk, c'est même après la demi-heure. D'accord? Alors, c'est pour ça que le Rav nous dit que c'est bien qu'elle de. C'est conseillé de faire le chiou quand même. J'ai fini le chiou. Là, tout le monde ira chez eux allumer les bougies. Que. Bon, ça c'est un sujet qui est très, 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 très complexe. C'est pas évident. Au niveau des Avrechei Yeshivot, les Bas Avrechim, que eux, ils étudient la Torah à plein temps. Alors il faut savoir, okay, c'est à gérer. En général, qui c'est qui doit allumer les bougies? C'est le papa. Et le papa, c'est maintenant lui, en général, pendant toute l'année, à quelle heure il rentre à la maison? 7h, 8h. L'image des Ratrila, c'est à 5h ici à Jérusalem. Si maintenant ils vont rentrer chez eux à la maison pour arriver à 5h, ils ont perdu toute la Torah. Alors, la Torah que maintenant, jusqu'à 6h, 7h du soir, ils ont raté. C'est dommage. Dans le mot Torah Keneged Kula, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tout ça, c'est à gérer. Comment, en général, les Tamilei Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux, ils allument. S'ils sont juste à côté de la yeshiva, ça va. Ils vont allumer, ils rentrent, ils retournent à la yeshiva. Et s'ils ne sont pas à la yeshiva, en général, les Tamilei Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Les Avrechei Yeshiva. Ils rentrent chez eux, ils allument, et ils vont dans un Beit Midrash à côté. Alors, il n'y a pas du tout de Torah. Et sinon, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le Rab? Avrechei Yeshivot, Yacholim, Lamshir, ils peuvent continuer à étudier dans leur seder. Normalement. Vimnu et Aïcha, la Dikne Hanouka, Vezman, c'est d'accord avec. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ordonner à la femme, ils vont dire à la femme, excuse-moi, c'est possible que tu vas allumer les bougies. D'accord? Ça veut dire que même lui, il peut préparer la, avant qu'il sorte, avant qu'il va à la yeshiva ou au kollel. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand il va arriver la première
Atzet HaKochavim, la sortie des étoiles, elle, elle va allumer pour son mari, et son mari, après, il va revenir au moment, à l'heure précise. Alors que lui, qu'il est en général, qui vient. Si maintenant c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne veut pas, elle veut que c'est son mari qui l'allume, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le mari? Continue ton limoud. Continue ton sévère. Pour pas que la majorité des gens, ils vont faire bitul Torah. C'est très grave, bitul Torah. La Gemara dans Brachot, elle dit. C'est une des choses qu'un homme peut recevoir chez les Shmor. C'est pas évident dans sa vie. On lui pose la question. Non, un homme il dit, moi, pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Il faut qu'il te l'ait mis tout le Torah. Il faut qu'il dise, c'est à quoi mis tout le Torah? Combien de mis tout le Torah il en a? Et en général, un homme il est censé étudier toute la journée. Rien parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il ne peut pas, alors il va diminuer. Mais ça ne veut pas dire maintenant que lui, qu'il est dispensé à étudier la Torah. Toute la journée, un homme, il est censé à étudier la Torah. Bon, tu n'es pas capable, ou tu ne peux pas, ou je ne sais pas quelles sont les raisons, tu dois nourrir ta famille. Top, va nourrir ta famille, mais il faut être calculé. Okay? Il faut être calculé à la seconde, si c'est possible. On n'est pas à ce niveau à la seconde, mais au moins, si un homme, lui, ça suffit qu'il va travailler 5 heures pour donner à manger à ses enfants et à sa femme, okay, et bien qu'il, étudie, qu'il travaille 5 heures, et le reste, qu'il fait ses études, qu'il étudie la Torah. Mais c'est très... On sait, c'est un très grand problème. C'est un très grand problème, cela. Que les gens, ils commencent à travailler, et ils s'oublient dans le travail... Et après, il se pose des questions. Pourquoi maintenant qu'ils ne savent rien selon la Torah? Pourquoi maintenant ils n'étudient pas la Torah? C'est faisable. Si un homme lui-même, maintenant, lui, il était collé à un rab compétent, que le rab, il lui dit, il est très sévère avec l'homme. Il est très sévère avec l'homme, le rab. Ça veut dire quoi, sévère? C'est pas sévère qu'il lui donne dans la tête. Non, il lui dit, écoute, donne-moi ton planning. Va voir avec ta femme, combien d'heures ça lui suffit pour que toi tu l'aides. Une heure, deux heures, un homme il est obligé d'aider sa femme. Il est obligé d'aider sa femme. D'accord? Elle est obligée de respirer, même si maintenant elle va travailler. Qui c'est qui va s'occuper des enfants? Les enfants, c'est pas des poupées. Il faut s'occuper d'eux. Il ne faut pas les laisser à la maison avec des jouets ou avec des jeux, avec tout cela, et puis maintenant tu les laisses comme ça, et puis toi tu vas faire la toupie. Il faut être responsable. Même que tu veux maintenant, Adkenekar, ils disent les poskim. Regardez, jusqu'où ça. Maintenant la femme, elle veut écouter Kiyat Shofar Rosh Hashanah. C'est une mitzvah? Ah, c'est les enfants à la maison. Oh, très bien, Chaim. La femme, même qu'elle a l'habitude d'y aller depuis qu'elle est née, maman, elle a emmené avec son berceau à la Beit HaKnesset pour écouter le shofar. C'est-à-dire, jamais de sa vie, elle a arrêté le shofar. Si maintenant, elle, Mazal Tov, elle est 20 ans, elle s'est mariée, elle a un petit, elle a un, elle a trois, quatre, elle est obligée de rester à la maison. Elle qui a le shofar? Mais elle va entendre, depuis qu'elle est née, elle va entendre le cas de chauffard. Madame, tu es obligée de faire attention à tes enfants. C'est bon, mais il y a une voisine qui va faire attention, elle va rentrer, elle va sortir de la maison et moi je vais faire un peu assaut. S'il y arrive quelque chose, c'est toi la responsable. Ah, comment ils font aujourd'hui? Bon, il y a des techniques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Le mari, il rentre chez lui à la maison, il garde les petits, elle y va, elle va écouter le chauffard. C'est faisable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. Alors, si tu veux, d'accord. Mais, par exemple, s'il n'y a pas cette technique-là, elle est obligée de rester à la maison, même si elle n'a pas entendu le chauffard. Elle m'a la sorte. Elle est obligée de faire attention à ses enfants. Et si maintenant la femme, elle ne peut pas, c'est l'homme qui est obligé. Elle, dans la sorte, c'est comme ça, c'est leur devoir.
Maintenant, qui passe manazé. Parce que regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit le rab. Non, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis au niveau de Bitul Torah, faire très attention qu'un homme qui cherche à vivre. Combien de temps de limoud? Une heure, deux heures, trois heures. Un homme, il dit, il ne peut pas d'affilée trois heures. C'est hein? Tu ne peux pas d'affilée. Une heure le matin, une heure l'après-midi, une heure le soir. Si tu gères ta vie avec le rab, et puis tu peux trouver des moments. Si tu peux pas, si tu peux faire plus que trois heures, fais même quatre heures. Si tu peux faire cinq, fais cinq heures. Parce que c'est dommage, le bonhomme, il va être jugé à l'bitul Torah. Il dit, là, regardez, Adkeneka, bon, tu vas dire maintenant ce avraire là maintenant. Et lui qui étudie pendant toute la journée. Bon, on va lui donner un petit des vacances. Hein? Il est. On va lui donner des petites vacances. Jamais, pas de vacances à la Torah. La Torah, c'est les vacances. Benazmani. Voilà, Benazmani par exemple. Même Benazmani. Non, la chaîne, il n'est pas là. C'est Benazmani, les gens, ils ne savent pas. Ben Azmanim, c'est un Zman. Il faut savoir que l'homme, il est censé à étudier, à être sérieux dans son limoud, à évoluer. Si un homme, il peut une heure, rien qu'une heure, il n'arrive pas, il travaille très difficile. Mais c'est qu'il va travailler, mais qu'il est obligé et il est censé d'étudier le plus qu'il peut. Il s'arrange avec sa femme, il s'arrange avec le travail, et etc., etc., etc. Il nous dit le Rav, même les Talmidei Chachamim, puisque la Torah, elle est chashuva, elle est très importante, tu donnes tu dis à ta femme qu'elle est à ta place. Ver ki bezman aze, ikar de la kat derot chanukah et les pirsou manesh et nebait. L'essentiel de l'allumage de nos jours, c'est quoi? De publier le Nesku à la maison. Après que le bonhomme maintenant il a fini son étude dans le collège, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, 7h du soir, et il allume des bougies pour sa femme et ses enfants, même que c'est après la demi-heure. D'après les rats, tous ceux qui sont au collège, ils ne doivent pas allumer pendant le collège. Comment? D'après les rats, tous ceux qui sont au collège, ils ne doivent pas retourner à la maison allumer pendant les heures du collège. Non, hop. Alors. Regarde, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Il va continuer. Oula! Par contre, Ima Abrechim Korim Limoud Miyad Leacharad Laka. Si maintenant les Abrechim, ils fixent un Limoud juste après tout le temps l'allumage des bougies. Yorolim, la Psyk, Misséder Limouda, la Dakat Nerot Hanouka, Misséder Korabi, Vélazor Miyad Limouda. Ils peuvent, oui, rentrer chez eux, allumer les bougies. Tu allumes les bougies, après tu vas. Et bon, tu restes quelques minutes avec ta femme et tes enfants, tu publies le NES avec tes enfants. Il faut, oui, publier le NES, oui, parler avec les enfants. Qu'est-ce que c'est les Hachmonaïm? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Hachmonaïm? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachmonaïm? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Pourquoi? Jusqu'à maintenant, les Grecs, ils continuent, hein, ils ne sont pas arrêtés, les Grecs. Hein. On croit que les Grecs, c'est fini, c'est à l'époque, c'est même maintenant les Grecs. La Xéra des Grecs, ils sont encore là. Il y a un match des Grecs aussi cette semaine. Il y avait un match de foot Israël contre les Grecs. Là-bas, ils sont partis en Grèce et ils ont brûlé plein de drapeaux israéliens, des trucs comme ça. Tu vois? Quel? Mais c'est, non, ça c'est les Grecs, nouveaux Grecs. Bon, d'accord, on ne parle pas de cela. Maintenant, on parle au niveau de. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Grecs? Ils n'ont pas voulu brûler le drapeau. Les Grecs, ils ont voulu faire une chose. L'archiretaola, obscurité le monde. Comment? Obscurcir. Comment? Obscurcir. Obscurcir le monde. Le monde. Le monde. Comme tu as dit, c'est magnifique. C'est-à-dire que un homme, il est qu'il faut qu'il fait, il met bien dans sa tête le but du monde. Le but du monde. Quel est le but du monde? C'est quoi? De éclairer le monde. C'est d'éclairer le monde avec la Torah. Maintenant, et jusqu'à maintenant, les Grecs, ils continuent. Maintenant, le papa, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va parler avec ses enfants, avec sa femme, il va expliquer le but des Grecs, le but de ce monde-là, etc., etc. Et après, tu as fini, tu l'obtiens, tu as des petits beignets, des petits toupies, allez aux enfants. Okay, pourquoi on fait montrer de la toupie? Pourquoi on fait la toupie?
On peut montrer que le monde il est rond, on tourne encore, on tourne encore. Il y a le Nes que Kadosh Baruch Hu il a fait, il nous a fait, il nous fait, Bezat Hashem Kol Am Israël. Et après tu as fini tout cela, tout de suite, pendant la demi-heure, et tu peux y aller continuer, toi, en tant qu'Avrech, étudier la Torah. Mais pas être les Avrechim. Non, on parle des Avrechim. Est-ce que maintenant ils peuvent arrêter leur limoud et allumer? Regardez, tu étudies. Est-ce que oui, tu peux arrêter? Parce que c'est ça le but du rab. C'est ça la question du rab. Toi, en tant qu'Avrech, tu peux arrêter ton limoud et va faire l'allumage. Après, tu reviens, oui ou non? Le rab, il dit oui. Si tu es sincère, tu peux revenir à ton limoud. Tu peux t'arrêter. Maintenant, le rabbi fait, il rentre beaucoup de pratim ici, beaucoup de petits détails. Okay? Si toi tu es dans ta Torah, tu étudies seul, tu étudies avec une rabota, ça va, tu peux rentrer, tu arrêtes d'étudier, tu vas allumer, tu reviens. Maintenant, si c'est Talmud de Rabbi, si maintenant tu étudies, Kabbalah, c'est un rab qui donne un chiour à 10 personnes, 20 personnes, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois allumer après. Tu continues ton chiour et tu dois allumer après. Pourquoi? Parce que de nos jours, le piosom anes il est pour la maison. Et c'est pas obligé la demi-heure. C'est pas taille, c'est sûr qu'on va faire. Dans la demi-heure, c'est le khatrila. Si c'est normal, un homme il va allumer les bougies pendant la demi-heure, c'est mieux d'allumer pendant la demi-heure. Et c'est mieux même s'il fait vite avant aussi. Comment? C'est très bien le temps. Ouais, mais... De pas faire arbitre. Ça dépend, toi tu es Ashkenaz, c'est autre chose toi. Toi tu allumes les bougies à l'Ashkia. C'est pas de cet accord, pas comme Maran Ashkenaz. Toi tu allumes à l'Ashkia. T'es Yeké, non? T'es Ashkenaz. Les Ashkenaz ils allument à l'Ashkia. Ensuite toi tu fais Mincha avant, tu vas allumer et après tu fais arbitre. Toi les Ashkenaz c'est comme ça. Mais il y a plein de faire arbitre après l'allumage. Même pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, mais c'est conseillé de faire vite avant parce que tu as dit, moi j'ai donc pas d'état décodé. Il faut faire Kriyat Shema avant. Même si tu veux maintenant Kriyat, même si tu veux faire vite, Vibé Odion, sauf avant l'allumage, il faut que je fasse Kriyat Shema avant. Ok? Parce que quand maintenant le bonhomme il va allumer les bougies de Hanouka, c'est quand? La sortie des étoiles. Et qu'est-ce qu'il doit faire avant la sortie des étoiles? Il a sur lui l'obligation de Kriyat Shema. Et l'allumage des bougies. D'accord? Mais Kriyat Shema, c'est quoi? C'est la Torah. Et l'allumage des bougies, c'est quoi? Les Rabbanins. Ça, c'est un. Deux. Tadir, Meshélo, Tadir. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Kriyat Shema. Et l'allumage des bougies, c'est après. Donc, je fais Kriyat Shema à l'Ashkir? Non, toi, non. Toi, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir. Je te dis, comment tu dois faire? Toi, tu as un Ashkenaz, tu dois faire Mincha dans son temps. Après, à l'Ashkia, tu allumes avec Bracha, et après, tu vas faire vite à la Beit HaKnesset. Ok? Et maintenant, si tu vas poser la question, quand tu vas allumer après la demi-heure, et après que tu allumes la demi-heure, c'est quoi? C'est Minhag. C'est rien que Minhag, mais c'est Mishmi Dag, oui ou non? Pendant la demi-heure, c'est ça qu'ils ont institué les Harami. Après la demi-heure, c'est quoi? C'est Minhag. Alors, comment tu vas gérer? Est-ce que tu vas faire la bracha dans un Minhag ou non? Tu as compris la question, Dan? Je répète la question. La mitzvah, elle est quand? Elle est pendant la demi-heure. Deux mitzvot. Allumé et un verset bénisseur. Allumé et l'allumage, ça fait perso bénisseur. Oui, j'ai un peu de jour, il y a encore de nouveau. Comment? Parce que de nos jours, il y a encore un peu. Parce qu'il y a de nos jours encore pire sous Ménissa. Avamita Maya encore pire sous Ménissa. C'est Minhag. Noagim, on a le Minhag maintenant d'allumer même après la demi-heure. Puisqu'on a le Minhag d'allumer même après la demi-heure,
Alors, on va allumer. Mais c'est mais qui t'a dit mais non, qu'on doit allumer avec bracha. Vous avez compris la question? Il y a du sabal là-dedans. On va dire sabal. On va dire sabal. Tu vois, tu as compris qu'est-ce qu'il dit là maintenant date? Ça, c'est la réponse. En premier, la question, elle était sabal. Qu'est-ce que c'est sabal? Safek, barachot, nerake. Dans un sabal, dans un safek. Dans un safek, est-ce que tu peux faire la bracha ou tu ne dois pas faire la bracha après la demi-heure? Mais c'est un minag. Puisque c'est un minag, on ne dit pas sabal dans un minag. Quand c'est un minag qui est fondé, que ça va, on peut, comme de nos jours, on peut allumer les bougies, mais je peux aussi me dire ça parce que le pirsoum anes, le publier le nes, on le fait de nos jours, même dans la maison. L'essentiel, c'est dans la maison. Parce que Marlok est dans un post-crim, est-ce qu'ils ont déraciné la mitzvah? Alors, avant, c'était allumer la bougie dehors. Le petar betom lahoutz, l'extérieur de sa maison. Et tout le monde y passe, tu publies le nes. Mais de nos jours, quand on allume les bougies, on allume les bougies dans la maison. Celui-là qui veut dehors, il peut allumer dehors. La question de poser, me dit, est-ce que maintenant ils ont déraciné les chachamim, la mitzvah ou non? Ça veut dire, ils te disent maintenant tu peux allumer dedans. Et quand tu dois allumer dedans, ça s'appelle que les chachamim ont déraciné la mitzvah d'allumer dehors, oui ou non? C'est la question maintenant. La halakha a dit, nous, selon les séfarades, ils n'ont pas déraciné la mitzvah. C'est-à-dire que si tu veux allumer dehors, eh bien tu peux allumer dehors. Dedans, tu peux allumer dedans. C'est vrai que c'est sûr d'allumer quand, si maintenant tu t'habites dans une villa. C'est sûr que c'est bien d'allumer devant la porte, à l'extérieur. La chanoukia. Si tu n'as pas peur que maintenant, si c'est une chanoukia en argent, si tu n'as pas peur qu'on va te la voler. Okay. Alors quelqu'un qui a une chanoukia en argent, qui ne veut pas la mettre à la porte de la maison, il peut allumer à la porte de la maison une chanoukia normale, en vitre, et de dans la maison, il fait une chanoukia en argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la bracha dans la chanoukia dehors, et après il va rentrer chez lui, il va continuer à l'allumage des bougies de la chanoukia. Comment? Pas l'idour, l'idour s'allume sur un argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire le l'idour tous les jours, il va acheter notre hanoukia en argent? Non. Mais après, il ne commence pas par seulement l'argent. Il est dans la maison. C'est après, il sort dehors, il allume. La maison, c'est dans la maison. Il y en a comme ça, ils font aussi. Comme ça, ils sont. La maison est plus chazak que la maison, elle est plus. Oh, tu vois comment tu es. C'est-à-dire que toi tu dis quelque chose et lui il dit autre chose. C'est-à-dire que de nos jours, il y en a qui font comme ça, qu'ils allument dedans avec bracha, parce que la mitzvah elle est aussi dedans, et après allumage dehors. Mais puisqu'il y en a qui veulent dire qu'il faut allumer dehors, parce que l'essentiel de la mitzvah c'est dehors. Quand c'était quand Rami a sorti des étoiles, okay, alors il allume dehors avec bracha, et après il allume chez lui à la maison en argent. Et s'il allume à la fenêtre, ça fait un peu des deux. Par exemple, et si maintenant tu es dans une villa et la porte elle est dehors, alors c'est mieux que quand tu allumes dehors, il n'y a pas besoin de la fenêtre. Ou quand si on a un khatser aussi, un khatser très grand, les gens les allument, tu ne vois pas parce que le khatser est là-bas. Oh, il n'a fait le dormir. Il n'a fait le dormir, t'as raison. Okay. On continue maintenant, il nous dit le rab. Baal chanout che sugat chanouto beshat erev meucheret. יאמר אשתו שתדליק נר חנוכה בביתו, בצאת הכוכבים, ויצא ידי חובה בהדלקתה. אינו מקורי כאילו המגזן, הביא ברוך השם מתאמין לדיסות ניסואר, נובר ניסואר. איפור הפרנט חשלוי, דור לדמייר, הפרטיר דסורטית זה טועל, כיסקי דואפר, ידיע שפם, אני אומר לבושי הספלס. ואני עדיף לנהוג כן מאשר שבא לבית הדין בעצמו בלילה אחר חצי שעה בצד הקרוב. אסי, רגדל, ימוד יורב. אסי, ז'וסט דפר אנסי דלימד דן סונטן. דן לדמייר, אפרי לסורדית דזטואל, כדבניר אפרי אלימי. זה מיוב. ואומנם אם אשתו אינה מסכימה להדליק נר חנוכה בבעל ידי הבעל, שים אינו בעיון, ספה מדינה, לא, 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 ללימד דו חנוכה, סטועה מומרי. סנטימנט, סייתרות סנטימנט, שים אינו לומרי, כן,
il peut lui parler gentiment et lui dire à sa femme, écoute, c'est mieux qu'on est marvichim, on a gagné, okay, la mitzvah entièrement comme il faut, que tu allumes dans son temps, que lui va venir à 10h et en fin de compte, ce ne sera pas les khatrila, a priori. Alors, Racha, elle a dit que 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 Racha, alors maintenant, si quand même la femme, elle veut pas, elle veut son mari qui l'allume, alors ils peuvent allumer même après la demi-heure. Parce que de nos jours, on n'est pas trop pointueux que d'allumer les bougies dans la demi-heure. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'elle est venue à Baït. Il faut que tout l'allumage, c'est pour la maison. Et quand le roi est venu à Baït à Dainerim, tant que maintenant les enfants, ils sont, ou la femme, ils sont réveillés, alors tu peux allumer les bougies de Hanouka avec Bracha. Bim, Yagi, Ale, Beto, Acha, je venais à Baït, Yacheni, mais si maintenant il va arriver minuit, 1h du matin, tout le monde y dort. Ah, maintenant, on verra, et les attachés, il nous dit comme ça le Rav, « Gabel zebidi avad yachol adig » même dans un cas pareil, même à minuit, 1h du matin, il peut allumer les bougies de Hanouka, et il n'y a pas une différence comme quelqu'un que lui qui est célibataire, que, ou quelqu'un qui est veuve, en maintenant que lui qui doit allumer chez lui à la maison seul, avec Baham qui est venu à 10h, 11h, minuit. Maintenant que lui qui est arrivé chez lui à la maison très tard, Hanouka, et maintenant devant lui il y a Mitzvah Tfilat Arvit, le Mitzvah Adlakat de Hanouka, Yagdim Nitpalel Tfilat Arvit, c'est-à-dire Kodem. Donc devant lui il a ou Arvit de faire ou l'allumage de Hanouka. Qu'est-ce qu'il doit faire avant? Arvit, après, il va faire l'allumage. Et aussi, il faut devancer l'allumage, excusez-moi, le Kriyat Shema, que c'est de la Torah. Et après, tu dois allumer les bougies de Hanouka. Comme ça, il va faire Pirsum Anes. La question, elle se pose, si maintenant, lui, il doit allumer les bougies de Hanouka. S'il va faire Arvit, il va perdre le temps de l'allumage de la demi-heure. Est-ce que lui qui va faire Arvit, oui ou non? Vous avez compris la question? Ezra, t'as compris la question? Il faut allumer, il nous dit le rap, les bougies après que tu as fait Arvit. Pourquoi? T'as dit, codé. Il faut devancer en premier Arvit, et après il faut faire l'allumage. D'accord? Mais maintenant, il rentre chez lui et il doit faire Arvit avant. Mais l'allumage, a priori, il faut faire dans la demi-heure. C'est-à-dire qu'il peut allumer encore. Il a 5 minutes devant lui, ou même 4 minutes devant lui, qu'il est dans la demi-heure. Par exemple, si maintenant, c'est encore la sortie des étoiles, c'est à 5 heures. Maintenant, il est arrivé à la maison 5h25. S'il allume les bougies de Hanouka, il va faire Arvit après. S'il va faire Arvit, il va rater l'allumage de Nerot Hanouka dans son temps. Il va quand même faire la bracha après. Ça va être après la demi-heure. Est-ce que lui, dans un cas pareil, il va faire Tfilat Arvit ou il va faire en premier l'allumage des bougies? Tfilat Arvit. Attends, tu dis Hillel, Tfilat Arvit, je veux maintenant des explications pourquoi. Parce qu'on a dit que Hanouk, il peut quand même allumer plus tard, il peut faire avec les brachas et tout, mais Arvit, c'est important qu'il le fasse, comme vous avez dit, le hindo, c'est bien important qu'il le fasse avant l'allumage des bougies. Il y a au Raita de faire, le chemin israélien, c'est marié par Arvit, alors c'est plus important qu'il fasse que Arvit. C'est bien. Et encore un autre. Arrête, je vous ai donné des règles, plus ou moins. Non, le Rav nous a donné des règles. Maintenant, suite à cette question, si maintenant tu avais la règle, tu n'aurais pas parlé comme ça. Si tu avais la règle dans la tête, tu n'aurais pas répondu comme ça. Je n'ai pas la règle dans la tête. C'est pour cela que tu as répondu comme ça. C'est un miracle qu'on peut faire plus tard. Ça dépend de la maison. Alors, qu'est-ce que tu as? Je veux dire en premier, tu es possède.
pour l'instant, je veux comment tu es possède, toi. Ça dépend de... Voilà, je te dis maintenant, il a 5 minutes avant, là, après, dans la demi-heure, il lui resterait que 5 minutes. S'il va faire vite, il va, c'est sûr qu'il va rater maintenant d'allumer les bougies dans la demi-heure. Rob. Et si maintenant... S'il va allumer, il va allumer, il va maintenant créer Arvid avant. Il va faire Arvid. Après l'allumage. Si c'est juste un rideau de faire Arvid après. Alors il va allumer d'abord la Hanoukia. Il allume. Alors toi tu dis il va allumer les Hanoukia. Hanoukia. Pourquoi? Ah, et maintenant il a Arvid avant. Et c'est pas comme il a dit le Rav, on pouvait faire créer Shema, c'est-à-dire quand même, on pouvait essayer de la Torah. Et puis il a allumé les bougies, c'est des Rabbanan. De toute façon, il n'aura pas créer Shema dedans. Il y a 5 minutes, tu n'as pas le temps de faire le chemin de l'arbitre. Comment ça? Voilà, on a dit, il a le choix entre allumer et rater. Ah, c'est de Rabbanan, c'est de Rabbanan, t'as toujours un magnum de Rabbanan. Mais c'est aussi de Rabbanan, c'est de Rabbanan, t'as plus tard. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Ça dépend pas de là où il est. J'ai compris que je t'ai dit. Tu l'as raté. Comment? Ça dépend pas de là où il allume. Si, mais la fin derrière, il y a une personne qui dit ça pour tout le monde. Dans la demi, on pourrait dire, mais c'est mieux d'allumer dans la maison. Ok, pièce de c'est je suis toi. Alors, qu'est-ce que c'est l'échange d'allumer avant la lumière, après la lumière? Ça veut dire? Fais un vide d'abord. Et qu'est-ce qui va. Et puis, maintenant, comment il va allumer après alors? Il va allumer après, parce que si c'est dans la maison, parce que dans la maison, il va allumer après aussi. Ah, allez, très bien. Ça, c'est une des réponses. Mais il y a une autre réponse. Maintenant, je vais dire en premier la réponse. En premier, une des réponses, c'est comme ça. Il dit à sa femme, allume pour moi, je suis ici à côté de toi, et moi, je fais un vide. Mais non, le bonhomme, lui, il est seul. C'est un barreau. Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Elon. Arvid Kodem. Tu dis Arvid. Tu dis Arvid. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Je veux savoir, moi, je vous ai donné des clalines, je vous ai donné des règles ici. Le Rav, il vous a donné la même. Maintenant, vous avez en face de vous une situation. Comment toi, tu vas trancher, Wisman? Je m'appelle Ok. Maintenant, regardez. On a dit qu'il y a schéma, c'est de la Torah. Mais Arvid. C'est Réchout. Arvid, c'est Réchout. Alors, regardez. Mais, d'après... Comment? Attends. Mais, si maintenant tu allumes les bougies après la demi-heure, c'est Rek Mitorat Minag. C'est Rek Minag. On fait la bracha. Mitorat Minag, c'est pas Bevadai que tu dois faire la bracha. La honte qu'il n'y a pas Sabbat, on est dans un nombre de Sabbat, Mitorat Minag. Mais l'allumage, il y a des poskim qui disent les khatrila, a priori il faut allumer quand? Dans la demi-heure. Après la demi-heure, c'est comme si tu n'as rien fait. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est bien et c'est conseillé de faire dans un cas pareil? Dès que tu rentres à la maison, tu as 5 minutes avant toi, avant la fin de la demi-heure, tu fais Kriyat Shema. Vite fait. Tu allumes les bougies dans la demi-heure avec Bracha, et après tu fais Arvid. Et pourtant, des fois, quand Hamzaf, ils font Arvid plus tôt, ouais. Avant la tombée de la nuit, ou même avant, ça ne s'est pas encore. Après, ils disent, pensez à refaire Kriyat Shema. Donc là, c'est pareil. Non, d'ailleurs, parce que tu as prêté 7 encore Arvid. Toi, qu'est-ce que tu parles? Tu parles d'autre chose. Quand tu parles maintenant de quelqu'un qui l'a fait Arvid Vibéodium, après le plaque. La sortie des étoiles, c'est à 5h, et lui, il a fait Arvid à 4h30, par exemple. Il a fait Mincha avant le plaque, il a fait à 1h30, et maintenant, il fait Arvid à 4h30. Quand on parle que la sortie des étoiles, c'est à 5h. D'accord? Maintenant, 4h30, il a fait Arvid. Il rentre chez lui à la maison pour allumer les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'il a devant lui maintenant à la sortie des étoiles? La sortie des étoiles devant lui, il a selon les Chachamim, de faire l'allumage, de faire Kriyat Shema. Parce que c'est Machloké, c'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Quand est-ce c'est la nuit? D'après Rabbi Yehuda, d'après le Plag Amintra, d'après les Chachamim, à partir des sorties des étoiles. Alors maintenant, quand toi tu fais Arvid avant la tombée de la nuit, avant cet accord Arvid, tu es rendu qui de Arvid selon qui? Selon Rabbi Yehuda. Et pas selon Chachamim. C'est-à-dire, tu es rendu qui selon non, Arvid. Aval, le Kriyat Shema selon Chachamim, tu n'es pas rendu qui. Et puisque maintenant,
t'es pas rendu quitte. Et nous, on est mahmirim, on est rigoureux, parce que Kriyat Shema, c'est de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On refait encore une autre fois Kriyat Shema, quand? À la sortie des étoiles. Ceux qui font un vide à la tombée après la nuit, en pleine nuit. Non, on a l'heure. Je fais Kriyat Shema avant. Même si tu vas me dire, ah, tu vas me poser, regardez la banane, comment ça va vite. Parce que d'après Maran Shulchan Aruch Dara et Samech Aleph, la Mishnah Bora qui dit là-bas, dans Siman Bet, il dit que Maran Shulchan Aruch, il pense qu'on va venir nous tam. Et cet accord à venir d'après Maran Shulchan Aruch, c'est quand? Il y en a beaucoup qui ne savent pas cela. Ils ne font même pas attention à cela. Rav Yitzhak Yosef aujourd'hui, hier soir, il a dit, celui-là qu'il pense, il fait sortir Shabbat, selon Rabbi Noutam, pendant toute l'année. Okay. Aussi cette année, quand lui, il va allumer les bougies de Hanouka, Motsaï et Shabbat, quand est-ce qu'il va allumer les bougies de Hanouka? Après la Abdallah, que après Rabbi Noutam. Très bien, David. Très bonne question. Et c'est ça la question que je voulais vous poser. David, il pose la question suivante. Si maintenant, moi, quand est-ce que je dois allumer les bougies de Hanouka dans la demi-heure de cet accord rabim, de quoi? Des Géonim? Quand est-ce que cet accord rabim des Géonim ici à Jérusalem, c'est à 5h? Ah, mais quelque chose de droïde. Alors c'est pour cela que... C'est pour cela maintenant, toi tu as bien répondu, David. Ça veut dire quoi que... Dan, qu'est-ce que tu voulais dire, ça va des Géonim? Non, parce que quand ça c'est des Doraïta, alors je suis marqué, mais quand ça fait des Ravanim. Très magnifique, Dan. Magnifique, Dan. Aval, il dit, je vais expliquer, qu'est-ce qu'il dit, Dan? Il dit, quand est-ce qu'il est sous Torah, alors je ne vais pas allumer, et je ne vais pas faire la Abdallah, donc après quand? Après Rabbi Noutam, parce que c'est sous ce qu'il a, c'est sous Torah, parce que c'est Shabbat. Mais dans l'allumage, quand est-ce que je vais faire? Comme c'était Rabbanan, je vais faire le moment des Géonim. Parce que selon les Géonim, si je vais allumer plus tard, je ne suis pas rendu quitte. C'est comme je n'ai rien fait. Si je vais allumer maintenant à la Tzedakah Rabbi de Rabbi Noutam, comme Maran Shulchan Aruch. Maintenant, c'est bien, c'est conseillé. Je vous dis entre parenthèses. Hein. Et le dame n'allumait pas. Attendez, voilà, une seconde. Je finis la phrase. Après, maintenant, tu verras comment David, tu vas comprendre. Mais c'est conseillé. Si c'est faisable, oui c'est faisable, comme ça on fait vendredi, c'est conseillé de quand tu allumes la première bougie, la deuxième bougie, une bougie. Quand je parle de la bougie de la journée, tu vas mettre de l'huile suffisamment qu'elle va rester allumée une demi-heure après le temps de Rabbi Noutam. Si maintenant toi tu vas allumer, c'est d'accord Rabbi, c'est quand est-ce? C'est 5 heures à Jérusalem. Et maintenant... La sortie des étoiles de selon Rabbi Noutam, c'est quoi? Comme c'était chez Shabbat, c'était à 5h47. 5h47 et une demi-heure. Et donc, il faut que la bougie elle est encore allumée. Ça veut dire 5h à 6h17, il faut que la bougie elle est allumée. Au moins une bougie. La première bougie, une des bougies de la journée du jour. Ouais. Au moins tu as gagné Maran Shulchan Aruch. Parce que d'après Maran, même que d'après Maran Shulchan Aruch, c'est maintenant quand il a allumé d'après le plague, et peut-être c'est de Romar, avant mais Varech, elle n'a pas le droit de faire la bracha. D'après Maran Shulchan Aruch, quand tu allumes avant la sortie des étoiles, tu n'as pas le droit de faire la bracha, il faut que tu allumes sans la bracha. Parce que par exemple, pendant un couvre-feu, par exemple, un homme il ne peut pas allumer, ou des soldats qui ne peuvent pas allumer à la sortie des étoiles. Mais selon Maran Shulchan Aruch, il faut allumer à la sortie de Kohavim. De quel sortie de Kohavim qu'on parle? Si tu parles de cette Kohavim de la sortie des étoiles, de qui? De Géonim. D'après Maran Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas sortie des étoiles. Alors comment tu vas faire? C'est bien et c'est conseillé de laisser suffisamment de l'huile, comme on fait le Shabbat, la veille de Shabbat, on allume les bougies. Quand est-ce qu'on allume les bougies, nous? Un quart d'heure avant l'Ashkia. On regarde le calendrier, on regarde la Shkia. Si par exemple la Shkia, elle est à 5h moins 4, par exemple, 5h moins 4 la Shkia,
4h30, tu dois allumer les bougies. Je parle déjà, par exemple, Jérusalem. 4h30, tu dois allumer les bougies parce que nous, on est mahmirim pas 5 minutes avant la shkia. Pourquoi? Parce qu'on est mahmirim le Sefer Yerehim, que lui, il dit, il y a un quart d'heure avant la shkia, ça commence le Shabbat. Sefer Yerehim, le Rabbi Eliezer Mimitz, il dit déjà un quart d'heure avant la shkia, c'est déjà Shabbat, alors on est mahmirim. Sinon, si un homme, lui, il n'avait pas le choix, tout cela, il est rentré 5 minutes avant la shkia. La shkia, c'est encore bien. Oui. Mais le minag à Jérusalem, c'est 40 minutes. Non, minag du Rav Toutinski, que lui, il dit 40 minutes. Mais nous, les séfarades, toi, t'es Ashkenaz, tu peux continuer, minag Jérusalem. Mais nous, les séfarades, on n'est pas censé à faire et, ou de continuer le minag de 40 minutes avant la shkia. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce que l'allumage des bougies de Shabbat, il faut qu'elle se fait samouch le knissat Shabbat, proche à la rentrée de Shabbat. Un homme, il allume les bougies une heure avant Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? J'allume des bougies pour Shabbat. Mais il n'y a aucun rapport avec Shabbat. Tu allumes les bougies d'anniversaire, maintenant, le bon ami peut dire. Mais ça ne s'appelle pas que tu vas allumer les bougies de Shabbat. Il faut qu'il y ait un équerre. Ou seulement, si maintenant, comme disent les poskim, ou seulement quand tu allumes les bougies, tu prends sur toi Shabbat. Attends, mais puisqu'en général, en allumant les bougies, on ne prend pas Shabbat. C'est pas genre un chriouf que en allumant les bougies, on prend Shabbat. C'est autre chose maintenant. Je vais ramener ça dans la question. Alors, techniquement, j'aurais le droit de faire les bougies de Shabbat, ensuite les bougies de Chanukah. Il n'y a aucun problème. Mais je sais que c'est bon de faire Chanukah Kodem et tout ça, mais il n'y a aucun problème d'après la Chanukah de faire Kodem Kodem Shabbat après Chanukah. Puisque tu. Mais là, parce que puisque maintenant il y en a qui prennent le Shabbat Badlaka, c'est les femmes, ça, non? Les femmes, il est en kablot. Une femme, une fois par an, c'est bien, à Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, il faut qu'elle se dise, une femme, la parole suivante, que quand elle va allumer les bougies de Shabbat, elle ne prend pas sur elle Shabbat. Ça veut dire qu'elle a le temps d'allumer les bougies de Shabbat. Elle a le temps aussi de prendre l'allumette et de la mettre dans un endroit qui est pas dangereux, pas de jeter comme ça de sa main comme ça qu'elle peut après allumer quelque chose. Elle peut le mettre, même l'éteindre comme ça, le mettre dans un endroit comme il faut. Elle peut prendre même un petit Nescafé, parce que si maintenant elle a pris sur elle le Shabbat, c'est un saut de prendre un Nescafé ou de prendre un café ou prendre avant qu'il douche. Comment? Elle peut prendre la voiture. Une femme, bien sûr, une femme qu'elle a allumé les bougies de Shabbat, elle ne prend pas sur elle le Shabbat. Si maintenant elle est obligée, elle doit y aller maintenant au Mikvé. Elle peut prendre sa voiture et y aller au Mikvé. Non, elle revient après. Parce qu'elle n'a pas le droit de. Après qu'elle est partie au Mikvé, elle ne peut plus maintenant. C'est fini. Nous, les séfarades, elle ne va pas sortir du Mikvé rien qu'après. C'est encore ravi. Même qu'elle va tromper Benach Majot. La femme de nous, les Ashkenaz, ils trempent cet accord à vie. Mais les séfarades, ils trempent dans Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, veut dire entre dans la Shkia. Après la Shkia, pendant les 13 minutes et demie, la femme, elle trempe dans le Mikvé. Mais les Ashkenaz, cet accord à vie. Et on peut rouler en voiture pendant Ben Hashmashot? Non, pas en mode, j'ai dit Ben Hashmashot? Non. Je répète, elle peut après l'allumage, juste avant Ben Hashmashot. Juste avant Ben Hashmashot. Si maintenant c'est Ben Hashmashot, la Shkia elle est arrivée, quelques minutes avant, il faut qu'elle arrête. Obligé d'arrêter. Obligé. Par exemple, le Mikvé il est très loin. Qu'est-ce qu'elle va faire à la femme? Allume les bougies, même une demi-heure avant. Même une demi-heure avant. Ok? Hop, pas 40 minutes. 40 minutes c'est trop loin. C'est Minak Jérusalem, après le Rav Toutinski, c'est à l'époque. Lokibalnu Oroota. Si une femme, elle veut prendre sur elle les 40 minutes, alors elle dit blinéder, une femme séparée, elle dit blinéder, elle allume et elle prend sur elle le Shabbat. Sinon, elle n'a pas le droit d'allumer 40 minutes avant. Elle peut prendre sur elle le Shabbat plutôt, un peu plus tôt. Aval, elle est obligée de prendre sur elle le Shabbat. C'est bien de prendre le Tosefet Shabbat, oh, c'est magnifique de prendre le Tosefet Shabbat. C'est quelque chose, c'est... Mamash très 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 haut de prendre sur eux le Shabbat avant. Maintenant, l'homme, lui, il n'a pas besoin de tout cela parce qu'il a 20 minutes avant tout cela, il va prier.
avant la shkia, il va prier. Puisqu'il va prier avant la shkia 20 minutes avant, Zekilu Poresh Memelacha, c'est fini. Kilu, lui, il s'est écarté de Melacha, d'action, alors c'est considéré comme il a pris sur le Shabbat, même qu'il est avant Mincha. Et je veux dire, on est parti de la 4 des Rotes Hanouka, on est parti à Shabbat. Mais si, comment d'après Sarah Benotam, il arrivait selon cet accord à Michel et à lui. Si il a lu. Quand Maran Shukhanaur, il pensera à Samuel Aleph, regarde la Babishna Bora, qu'est-ce qu'il dit? C'est Bet, Yeshomri. Après, tu veux voir le Biouralcha, regarde Biouralcha, il te dit, il y a Machloke. Pas Machloke, il y a un Hinouk entre Gmara dans Yoma et Psachim. Et Rabbi Notam lui explique, Maapshat, il est mis Yashev, une fois c'est 4000, une fois c'est 3000. Alors il explique, il y a la première Shkia, il y a la deuxième Shkia, Maran Shukhanaur, lui, il est posé comme Rabbi Notam. Et pareil que cela, il y a 30 poskim qui pensent comme Rabbi Notam. Pas un, pas dix, 30 Rishonim qui pensent comme Rabbi Notam. Ils n'ont pas comme lui. Comment? Ils n'ont pas comme lui. Mais dès qu'on fait comme lui. C'est bien de pour Shabbat. Alors, non, ouais, ça, tu vas dans un autre. Mais non, selon Maran Shukhanaur, c'est Rabbi Notam. Mais non, toi, comment toi tu dois gérer? Tu dois gérer dans un suivant, dans un kavana, dans un cas. Pas dans un cas. Comment tu dois gérer maintenant? C'est mec, les chouma, on est mahmirim comme la Rabbi Notam, on n'est pas mekelim selon la Rabbi Notam. C'est-à-dire qu'on ne va pas selon les coups là. Alors un enfant, lui, je pose une question. Il naît à quelle heure? À 5 heures Shabbat. Non, ça y a ça Shabbat. D'après les Géonim, c'est sorti Shabbat. D'après Rabbi Notam, c'est pas encore sorti Shabbat. Quand est-ce qu'on appelle la Brit Mila? Shabbat ou dimanche? Tasbir. Tasbir. David, il nous dit c'est Tasbir. Vous avez Tasbir en français? Non. Tasbir ou Tasbir? Tasbir. Voilà, il a dit Tasbir, ça veut dire que c'est une complication, un cas compliqué. Si, mais non, d'après Rabbi Notam, c'est quoi? C'est encore Shabbat. C'est encore Shabbat. Alors, quand est-ce qu'on doit faire d'après Rabbi Notam? La Brit Mila. Shabbat. 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 Mais d'après Rachaim, quand est-ce qu'on doit faire la Brit Mila? Non, dimanche. Dimanche. Ce sont les étoiles déjà. Sans Shabbat, il est sorti. Alors, quand est-ce maintenant, d'après Rabbi Notam, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vas faire. Excuse-moi, d'après les Géonim, si tu vas faire maintenant Shabbat, tu es Mechalel Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On repousse okay, la Brit Mila à dimanche. Maintenant, vendredi, okay, à 5 heures il est né. Attends, si maintenant à 5 heures il est né le bébé, Mazal Tov Siman Tov. D'après Rabbi Notam, c'est quoi? C'est Chol. D'après Géonim, c'est quoi? Shabbat. C'est Shabbat. Quand est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila? Shabbat. Dis par exemple, si tu vas faire ce vendredi, c'est quoi? C'est Yom Shvi. C'est le septième jour si tu vas faire vendredi. C'est encore le septième jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut faire Shabbat, comme les Géonim. On va faire la Brit Mila le Shabbat, et pas le vendredi. Et d'après les Géonim, si maintenant tu vas faire vendredi, c'est le septième jour. Alors on pense la Binoutam, les Khumra, Avalolekula. Oui, Mizman. Non, si un homme il veut allumer avant Shabbat, il veut allumer 20 minutes avant la Shkia. Quoi? Il veut allumer les Nerots de Shabbat. Après, il veut prendre la voiture pour aller à la synagogue. Tu peux faire un Tnaï? Il fait une fois par an, ça suffit. Pourquoi il allume dans les bougies de Shabbat? Sa femme, elle est pas là, sa femme. Elle a été accouchée. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Ok. Ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut allumer les bougies de Shabbat. Prends la voiture à la Beit HaKnesset avant Shabbat et encore un problème. Pourquoi il y a Khumra dans le cas où c'est. L'occasion pour le Khumra pour. Non, si il est né Shabbat. Samedi avant Shabbat, avant la sortie. De Shoukesha de Khumra. On va de Khumra ici. On parle maintenant que. Tu parles maintenant que tu reviens. D'après les Gaïm, c'est fini. D'après les Gaïm, c'est Shabbat. Oui, d'après. D'après les Gaïm, c'est pas Shabbat. Et là, on fait quoi? On fait Shabbat. On fait le Brit Mila Shabbat. Bah, de Khumra ici. Si maintenant tu vas faire maintenant le vendredi, alors c'est maintenant le septième jour.
C'est le septième jour, pas le huitième jour. Et quand est-ce le huitième jour? Ça tombe Shabbat. Et Mila, le septième jour, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est là, ça cloue. Si tu as fait la brite Mila le septième jour, ça n'a rien fait. D'accord? Maintenant, on revient chez nous. Michigan, le béton, voilà, la Vesha, Mocher, on a dit comme ça, Ken, Ben, Shamitere, Hetzel, Aviv, Beshabbat, Hanouka. Un enfant que lui, qu'il est invité chez ses parents. Shabbat, Hanouka, Veyot, Semi, Beto, Bayom, Shishi. Et maintenant, il sort de chez lui, vendredi, après Plaga Mincha, pour y aller chez maintenant, c'est son père. Et maintenant, lui, il doit revenir chez lui à la maison la nuit. Il y en a qui disent que lui, qui doit allumer après Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est une heure et quart avant la Shkia, une heure et demie avant Tzedek Horavim. Il y en a qui veut dire que maintenant, qu'il allume chez lui à la maison, okay, après le Plaga. Mais enfin, le Chanerol est d'un coup, dans un cas que ses bougies vont rester allumées une demi-heure après Tzedek Horavim. Je me dis, puisque maintenant tu vas revenir chez toi à la maison et tu vas dormir, alors maintenant, le hiyouv, l'obligation, c'est à la maison. Mais Hatan, je ne sais pas, il y a un Hatan que lui, maintenant, Mazal Tov, Siman Tov, il doit se marier le jour de Hanouka. Où est sa maison? Il va rentrer à 1h, 2h du matin à la maison. Est-ce que maintenant il va allumer chez lui à la maison, à 1h, 2h du matin? Ou il va allumer où? Dans la salle peut-être? Ou peut-être, il va se rendre quitte des parents. Tout ça, c'est la question. Ah, c'est... Ouais, il y a... Ouais, j'ai mis juste ça... C'est genre à 7h30. 7h30. Ah ouais, papa, il va arriver chez lui à la maison. Donne Bouddha à ses parents, il s'associe au cas où. Comment? Donne Bouddha à ses parents au cas où il s'associe. Par exemple. Ah, il a le rap. Il a le rap. Quel? Tant, puisque maintenant, quand le moment, il arrive pour allumer les bougies, papa et maman, ils ne sont pas partis encore à la salle pour se marier. Alors maintenant, il se rend quitte. Quand son père, maintenant, lui, à 5 heures, il allume les bougies de Hanouka, eh bien, papa, il le rend quitte encore. Et si maintenant il veut, c'est conseillé que chez lui à la maison, il allume les bougies sans bracha. Quand il va venir 1h, 2h du matin, il va venir avec sa nouvelle femme, Mazal Tov, Siman Tov, il va faire Shehriyanu, ou même le premier soir. Ken, il fait son Shehriyanu, sur quoi il fait Shehriyanu? Aluga. Avec le talit, il fait chier. Quand maintenant il fait chier rien avec le talit, il rend quitte quoi? Il rend quitte tout le système, même sa femme. Oh, maintenant son père lui déjà il a rendu quitte, mais c'est bien que lui qu'il allume à la maison chez lui, qu'elle met sans bracha. Michelinas. Un remariage. Non, les Chorvas, c'est la même avec la même femme, pourquoi ils ne peuvent pas faire chier rien? Je pense que c'est très rare, et nous, de se marier avec la même femme. Non, ça existe, mais c'est pas grave. Mais maintenant, si vous entendez des choses pareilles, si c'est maintenant, vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer dans les cas. Il faut avoir des gens qui sont compétents, qui rentrent dans les discussions entre hommes et femmes. Des fois, il n'y a rien du tout. Et le bonhomme que lui qui dit, en général, l'homme qui va se dire, c'est moi, moi je suis compétent, je vais faire shalom entre les deux. Mais en fin de compte, il va faire plus grave des fois. Des fois, il n'y a rien du tout. Des fois, il n'y a rien. On va arranger le coup. Et puis le bonhomme, il dit, voilà, il va arranger le coup. C'est bon. Et il faut savoir une chose. La meilleure chose de faire dans des cas pareils, de trouver un professionnel, il faut savoir. Je ne parle pas des rabbanimes. Des rabbanimes, il y a des rabbanimes qui sont charlatans. Excusez-moi. Le Rav Boudboul, Rav Aaron Boudboul, le genre de Rav Obadia, j'ai entendu de ses oreilles, de sa bouche, excusez-moi. Okay. J'ai entendu de sa bouche. Il a dit clair, il y a des rabbanimes qui ont fait l'inverse. Grave. En divorce. C'est les enfants en question. Les enfants, il faut savoir, ce n'est pas avec divorce.
divorce, ça peut aller, l'autre il part comme ça, la femme elle va comme ça. Les enfants, ils subissent tout. Et un enfant, il faut savoir, après un divorce, c'est une trace à vie. Après, il est obligé de passer des psychologues. Même s'il va dire c'est bon, il est costaud, c'est bon, il a la tête sur les épaules, c'est bon. Lui, même c'est un psychologue. Il faut savoir que le psychologue, il est obligé d'aller chez un psychologue une fois par mois. Et le psychologue lui-même, il est obligé d'être psychologue avant d'être psychologue. C'est comme le rabbani. Non, mais non. Il faut savoir, quand même, moi je suis un peu dans les réunions, j'ai vu bien chez Sosda. On ne dit jamais on est capable. Il faut être professionnel, il faut avec des gens qui sont compétents, moins des rabbanim que des rabbaniotes, que des femmes psychologues qui sont professionnelles, des femmes psychologues professionnelles avec des diplômes très hauts. Et pareil avec les diplômes, il faut qu'avant que le bonhomme ou la femme qu'ils y vont se conseiller, il n'y a pas de rabbin. Il faut mettre bien dans la tête, il n'y a pas de rabbin. Devenir Shalom Bayit, il n'y a pas de rabbin. Il n'y a pas. Parce que, et il ne faut pas donner confiance. Quand je dis ça, c'est moi je dis ça, c'est des grands rabbins qui disent ça. Il n'y a pas de rabbin. Il n'y a pas de rabbin qui peuvent faire Shalom Bayit seulement si maintenant le rabbi, c'est un géant. Okay? Quand on parle des gdoléadors, un des gdolim, des grands. Et même que le mari qui envoie sa femme, même le rab, il faut qu'il est présent. En d'abord casé, de laisser sa femme qu'elle va seule. Mais des fois, le rab, il va dire, moi, je veux parler avec ta femme en privé. En chumbaya, en privé, moi, je suis dehors la porte. Lui, il est dehors la porte. En d'abord casé, d'envoyer sa femme seule. Parce qu'il y a des cas qui sont partis à l'extrême. Il n'y a pas confiance à personne. Et à quoi? Le Yetzerara, lui, il se déguise en toute forme. Maintenant, on revient chez nous. Un homme, il dit, « Mishne enaz velo nidlik, ne la ilaha had. Ve lo tashum el maha, el la madlik. Ne maha, ne mazvar, ne rot, se madlikim, kol haola. » Un homme, que lui, qu'il est honnête. Il est enaz, c'est-à-dire qu'il a fort casse-maison, il n'a pas pu maintenant allumer les bougies. Le lendemain matin, il va allumer la bougie de la journée. Mais il ne pourra pas se rattraper. Il ne pourra pas se rattraper. Chazakobaou.